les forces de l'armée éliminent les terroristes dans le village Semra et coupent les chemins de ravitaillement depuis la Turquie à destination des terroristes. Les forces irakiennes poursuivent la traque des terroristes et repoussent une attaque sur Parkouba. Raids israéliens sur la bande de Gaza faisant des dégâts matériels dans les biens des Palestiniens. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Des unités de l'armée arabe syrienne ont avancé dans la banlieue nord de Latakia après la stabilisation de la ville de Kassab et ses périphéries. L'armée arabe syrienne a mené une opération réussie de débarquement et parvenue à la localité de Semra aux frontières turques, neutralisant des dizaines de terroristes et coupant les lignes de ravitaillement à provenance des frontières turques. Le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, a reconnu la hausse des nombres des Britanniques qui avaient rejoint les groupes terroristes en Syrie. Hague a indiqué qu'environ 400 Britanniques combattent en Syrie et que certains parmi eux avaient rejoint le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Le dévoilement de la hausse de nombre des Britanniques qui combattent en Syrie aux côtés des terroristes a poussé le vice-premier ministre britannique Nick Clegg a reconnaître que la présence de ces combattants britanniques en Syrie représente une grande menace. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs Melkite catholique et Grégoire III Laham a appelé les pays soutenant les terroristes en Syrie à endosser leurs responsabilités vis-à-vis de la guerre déclenchée contre ce pays et à mettre fin à l'envoi d'armes aux terroristes. À l'ouverture du synode de l'église grecque Melkite catholique à Ain Térès au mont de Liban, le patriarche Laham a indiqué que le Liban est dans une impasse en raison du vide du poste de la présidence de la République, exhortant les députés à élire dès que possible un président. Des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé de nombreux terroristes à Deir al-Balad et dans sa banlieue, détruisant leurs véhicules et armes. Une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque terroriste contre un point de contrôle militaire dans la localité de Nkhel, dans la banlieue de Deraa, tuant et blessant plusieurs terroristes. L'armée a aussi détruit un véhicule avec les terroristes à bord sur la route de Tel Jebaïa Sukariya et trois autres à proximité de Rabareb en direction de Deir Adas et dans le village de Warrad. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit une cache des terroristes dans la ferme de Nasr à Deir al-Balad, éliminant de nombreux terroristes dans la localité de Naïma, dans la banlieue est de Deraa et à la périphérie du réservoir de la localité de Atman, dans la banlieue nord de Deraa. En Irak, les forces de sécurité ont repoussé une attaque des terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant, dans la ville de Barkouba, située à 60 km au nord-est de Bagdad. Les terroristes ont tué 29 personnes arrêtées après avoir pris le contrôle du poste de la police d'Al-Wahda au nord-est de Barkouba. Sur un autre plan, le commandement de la police du gouvernorat de Zikar a annoncé que le déploiement des forces de la police fédérale à l'aide des tribus pour garantir la sécurité des frontières du gouvernorat après l'infiltration de terroristes venant de l'Arabie saoudite et du Koweït. En outre, le ministère du Tourisme et des Antiquités irakiennes a fait savoir que plus de 4370 sites archéologiques ont été sabotés et volés dans 5 gouvernorats. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a indiqué que ses pourparlers avec le sous-secrétaire d'État américain William Burns avaient uniquement porté sur le dossier nucléaire iranien.
Au terme de ces entretiens avec Burns et Catherine Ashton, représentantes de l'Union européenne pour la politique extérieure, Zarif a assuré que la question irakienne n'a pas été discutée lors des discussions. À noter que Zarif se réunira à Vienne avec les deux délégations russes et chinoises, ainsi qu'avec Yokia Amano, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, avant l'ouverture du cinquième round des négociations nucléaires qui se démarreront sous la présidence de Zarif et Ashton en vue d'examiner les questions suspendues concernant la conclusion d'un accord définitif global. Le nouveau gouvernement égyptien présidé par Ibrahim Mahlab a prêté le serment constitutionnel devant le président Abdel Fattah Sisi. Le président égyptien a ensuite présidé la première réunion du gouvernement durant laquelle il a examiné les missions et les charges incluses dans le plan de travail pour la prochaine étape. À la tête de ce plan, le rétablissement de la sécurité et de la primauté de la loi. Le président Sisi a donné aux deux ministères de la Défense et de l'Intérieur des directives de poursuivre la lutte contre le terrorisme et de protéger les frontières et la sécurité nationale. Les autorités israéliennes ont accentué leur agression contre plusieurs régions dans la bande de Gaza. Des avions israéliens ont effectué des raids sur l'axe ouest de la ville de Asda, au sud de Gaza. D'autres raids israéliennes ont visé un atelier dans la rue de Yafa au nord-est de Gaza. Les attaques israéliennes ont fait des dégâts matériels dans les biens des Palestiniens. De même, des forces maritimes israéliennes ont visé des embarcations de pêche des Palestiniens au large de Khan Younes et de Rafah au sud de Gaza. Plusieurs bateaux des pêcheurs palestiniens ont été endommagés dans le bombardement israélien. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les forces de l'armée éliminent les terroristes dans le village de Samra et coupent les chemins de ravitaillement depuis la Turquie à destination des terroristes. Les forces irakiennes poursuivent l'attaque des terroristes et repoussent une attaque sur Barkova. Raid israélien sur la bande de Gaza faisant des dégâts matériels dans les biens des Palestiniens. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour plus d'informations. Au revoir.